dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais est-il également le nerf de la campagne municipale? Dans tous les cas, Laurent Marcangeli, le maire de la commune, a publié il y a quelques semaines un bilan financier de sa mandature. Il annonce que 111 millions d'euros ont été investis par la ville en 6 ans, mais que pour autant, le train de vie de la commune, lui, a baissé de 3 millions d'euros depuis 2014. Autre donnée, la moyenne des charges par habitant serait inférieure aux communes similaires du niveau national. Les impôts locaux n'ont donc pas augmenté sous la mandature de Laurent Marcangeli. Pour autant, ce bilan financier n'est pas validé par tout le monde, loin de là. Paul Léonetti, conseiller municipal d'opposition, avait adressé une lettre ouverte au maire d'Ajaccio en 2018. Dans cette lettre, il pointait du doigt la hausse trop importante d'effectifs et donc de dépenses du personnel. Mais dans tous les cas, la question des finances de la ville représente toujours aujourd'hui un argument de campagne pour l'opposition bien sûr, mais également pour la personne qui utilise ce fauteuil.